Yo les gars, nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vais vous montrer comment avoir les casques de couleur sur GTA 5 Online. Donc au niveau des couleurs disponibles, vous aurez du vert, du orange, du rose et du violet. Donc il faut savoir que c'est exactement les mêmes couleurs que les joggers, ce qui veut dire que vous pourrez faire des petites tenues stylées avec. Donc si bien sûr vous possédez les joggers, et si c'est pas le cas, je vais vous mettre une de mes vidéos en description qui va vous montrer comment avoir les joggers, comme ça vous pourrez faire des petites tenues. Le glitch il est hyper simple à faire, il dure environ 4-5 minutes et en plus de ça il est en solo, donc ça ça régale. Sinon vite fait avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à aller checker ma chaîne secondaire. Dessus je poste uniquement des glitchs en rapport avec l'argent et l'RP. Donc dessus vous retrouverez tout ce qui va être glitch de duplication, glitch d'argent freeze et glitch d'RP. Donc si ça vous intéresse n'hésitez pas à aller checker ça. Merci à tous ceux qui donneront un peu de force en allant mettre un petit like ou en s'abonnant. Du coup je vous mets le lien en description. Et puis sinon sans plus attendre, je pense qu'on peut directement passer à la présentation de la manip pour avoir les casques de couleur. Ok les refs, donc pour commencer la manip ça va être très simple. On va déjà venir se rendre en face d'un magasin et on va venir y caler un véhicule. Donc là vous garez soit un véhicule de PNJ, soit un véhicule perso, ça peu importe, on s'en fout. Et quand on aura fait ça, on va venir s'inscrire en tant que PDG dans une organisation. Donc ça c'est important pour la suite de la manip. Ensuite on va pouvoir rentrer à l'intérieur du magasin, on va venir se rendre vers la catégorie des chapeaux et on va aller dans les casques. Et ici les refs, en fait il faut savoir qu'il y a plusieurs casques, donc au total il y en a 4 qui représentent 4 couleurs de casque anti-émeute. Donc en gros vous avez le casque numérique qui représente le casque rose, vous avez le casque cubisme qui représente le casque violet, le casque pavé c'est pour le casque orange et finalement on a le casque faucheuse qui représente le casque vert. Donc ici on va venir équiper le casque qu'on souhaite, donc enfin en fonction de la couleur qu'on souhaite du coup. Donc moi par exemple je vais équiper le casque faucheuse parce que je veux le casque anti-émeute vert. Donc bam on l'achète et on l'équipe. Ensuite on va se rendre dans les casques anti-émeute, donc c'est une catégorie qui se situe un petit peu plus bas. Et là on va venir équiper le 22e, donc c'est le casque LSPD, c'est celui-ci. Donc on l'achète et on l'équipe. Quand on aura fait ça on va pouvoir ensuite venir sortir du magasin. Donc les refs, déjà si vous avez la visière du casque remontée, vous allez devoir la baisser. Donc pour ça c'est très simple, on fait flèche de droite longtemps comme ça et ça la remonte. Enfin du coup il faut qu'elle soit baissée mais vous avez compris. Quand on aura fait tout ça on va venir se rapprocher du véhicule. Et là on va venir faire pas les taxis longtemps, on va aller dans l'apparence. Et on va venir chercher le casque qu'on a acheté tout à l'heure. Donc moi c'était par exemple le casque faucheuse. Donc c'est bon, pour ma part je l'ai trouvé parmi tous les casques que je possède. Donc là on va venir se caler par dessus l'onglet du casque de la couleur qu'on voulait. Donc là moi c'est le casque faucheuse, donc je clique pas sur croix, je fais rien du tout, juste je reste sur cet onglet. Quand on y est, on va ensuite venir faire triangle pour rentrer à l'intérieur du véhicule. On fait rond, on va dans le SecuroServe. Et là on fait gérer l'organisation, style, et on fait une fois flèche de droite, une fois flèche de gauche. Ensuite on quitte le menu, on sort du véhicule. Et là quand on va faire flèche de droite longtemps, vous allez voir qu'en remontant la visière, le casque va devenir de la couleur qu'on souhaitait. Donc moi c'est le casque vert comme j'avais dit tout à l'heure. Bien sûr n'oubliez pas d'aller sauvegarder la tenue au magasin juste à côté, sinon vous allez perdre le casque. Donc voilà c'est pas le but, donc sauvegardez bien la tenue. Et voilà, ce qui est bien c'est que comme je vous ai dit dans l'intro, c'est vraiment la même couleur que les joggers, donc vous pourrez faire des petites tenues stylées. En tout cas les refs c'est tout pour la vidéo, si jamais vous avez des questions n'hésitez pas, posez-moi tout ça en commentaire, je vous répondrai. Et puis voilà, moi les gars je vous dis à la prochaine.